Si j'avais été entendue, ne serait-ce qu'entendue, si on m'avait écoutée dans un cadre officiel, si j'avais pu aller voir un juge en disant « Monsieur le juge, je vis dans un monde où vous êtes censé vous occuper aussi de mon cas. » Voilà, moi quand j'étais petite, je m'appelais Poupette, et à 13 ans, on a fauché mon devenir, et on aurait pu foutre ma vie en l'air. Ça n'a pas été le cas parce que j'ai eu une capacité de reconstruction, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas toujours égaux face à ce genre de choses. Et si j'avais pu poser des actes, et si j'avais pu faire condamner David Hamilton, je l'aurais fait dans la minute, évidemment. Et je ne suis pas la seule. J'ai 13 ans et je passe mes vacances avec ma mère au camp naturiste du Cap d'Agde. Pas de plage pour moi aujourd'hui. Je vais poser pour un photographe mondialement connu, David Hamilton. Je reviens la chercher à quelle heure? Lorsque j'ai subi ce très très long épisode d'amnésie traumatique, hein, puisque j'avais complètement oublié cette scène, je me suis retrouvée dans une volonté de poser des actes et de confondre David Hamilton. Et c'est là que je me suis entendue dire que les délais de prescription étaient une sorte de couperet et m'empêchaient toute action judiciaire. Et c'est quelque chose qui m'a indignée en tant que victime, de me dire, mais en fait, on m'invoque le droit à l'oubli, mais le droit à l'oubli pour qui? La société va oublier ce que j'ai vécu, donc pour la paix sociale, on va me demander moi de me taire, mais moi j'oublierai jamais. Et le fait de ne pas être entendue, ça va accroître ma douleur et mon sentiment d'injustice. Et comme je n'avais d'arme finalement que ma plume, j'ai écrit ce livre. Donc, je voulais que la vérité éclate et puis je voulais aussi que les gens soient au courant et soient informés de la violence de la prescription. Après que j'ai pu mener aussi une mission ministérielle auprès de Laurence Rossignol, que j'ai co-présidé avec un magistrat, ça a duré 3 mois. Et donc du coup, dans toute cette démarche-là, plus on en parle, mieux c'est. Et c'est la raison pour laquelle on vient aussi de boucler là un documentaire. Je vais à la rencontre d'autres victimes de violences sexuelles quand elles étaient mineures et qu'on fait une sorte de plaidoyer pour rallonger les délais de prescription. Voilà, c'est quelque chose qui est applicable demain. Il suffit vraiment de le décider. Ça n'est pas compliqué. Rallonger les délais de prescription de 20 à 30 ans après la majorité, ça ne remet pas en question l'architecture du droit français et on peut le faire. Donc plus on en parlera et plus on se battra pour protéger les enfants et pour faire comprendre aussi aux prédateurs qu'ils ne seront jamais véritablement à l'abri, mieux ce sera. Après 3 mois d'intenses auditions, c'est l'heure du rendu de notre rapport. Avec tout le comité, nous préconisons l'allongement des délais de prescription de 20 à 30 ans après la majorité. Un petit pas en avant, un pas de géant pour les victimes qui pourraient donc porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Et ce n'est que la première étape d'un combat qui n'est pas terminé.